Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que le salut et les prières d'Allah soient sur le maître des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran, et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. Et il dit, tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en récompense. Comme chaque année, depuis de nombreuses années à la mosquée de Creil, nous avons un projet pour ce mois de Ramadan. Un projet qui sera un pas en avant pour la mosquée et une cause de récompense immense pour tous les musulmans qui participeront. Ce projet est la construction d'un premier étage à l'école privée El Ghazali de Creil. Ce projet permettra d'agrandir l'école de 800 mètres carrés, Inch'Allah, c'est-à-dire 10 classes supplémentaires, plus un grand réfectoire, plus une grande bibliothèque, plus une salle labo informatique. C'est un noble projet, bénéfique pour les musulmans et l'islam dans le bassin créois. Ce projet n'est que la continuité de nombreux projets depuis 2011, la création d'une école primaire, la création d'un collège, puis enfin d'un lycée. Et tout cela a vu le jour grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite grâce à la générosité des musulmans. Nous avons besoin de 200 000 euros pour clôturer et concrétiser ce projet. C'est un noble projet et facilement atteignable par la permission d'Allah et ensuite par notre générosité, par notre solidarité et par notre amour pour les bonnes causes. Ce projet nous permettra de stabiliser la primaire au rez-de-chaussée, le collège au premier étage et le lycée sera à la place du collège actuel. Et ce sera une possibilité pour nous d'accepter plus d'élèves car actuellement nous sommes bloqués par manque de place. On compte sur Allah Azza wa Jal seul, ensuite sur un maximum de participants pour voir ce projet se clôturer. Ce type de projet est une sadaqa jariya, une aumône continuelle, une aumône qui te permettra d'être récompensé à chaque fois qu'un bien, qu'un savoir est enseigné dans ces écoles. Une récompense qui t'accompagnera après ta mort tant que ce projet restera actif. C'est une récompense dont tu n'as aucune idée, mais Allah Azza wa Jal comptabilise à l'atome près les hasanet. Allah nous dit dans le Coran, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et il dit, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.